Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est sûr, on vit une sombre époque, mais je ne compte pas quitter mon île pour autant. J'imagine que c'est pour ça qu'on nous dit résistants, nous les Komodos. Entendu, cette fois, l'île rayon des cieux s'est mise à flotter en l'air. Mais où se va ce monde? Qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit, ils sont tous retranchés chez le chef du village. Je ne peux pas vous laisser passer. Je demande encore le temps. Tout ça va encore durer. Si j'aide vous, je cherche un endroit sûr où me cacher. Bon. Thank you.
Le bon vieux temps, beaucoup de mes amis et d'autres savants comme moi venaient ici pour prier. Il y avait de l'animation, surtout durant les périodes de festival, comme ces jours me manquent. Les derniers des cascades étaient considérés comme sacrés par les fidèles servants de Dragon Divin. Puis des hordes d'humains sont venus coloniser les îles et nous avons dû migrer vers la région limitrophe. Lors du bouleversement culturel qui s'est opéré par la suite, la portée spirituelle de ce genre d'endroit est rapidement tombée à l'oubli. Apparemment, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Et capitaine, allez rentrant. L'hôtel au fond de cette caverne semble être destiné à accueillir la lame de dragon. Ce qui est étrange, c'est qu'il est censé n'en exister qu'une seule sur cette terre. Oh, il y a deux supports sur l'hôtel, je me demande ce que cela signifie. Regardant l'ancien récit, les dragonistes avaient connaissance de certaines formations géologiques à force de concentration. À cet emplacement, ils auraient utilisé des forces naturelles de la planète pour régénérer les éléments, c'est en tout cas ce que se dit. Il s'agit bien des hôtels pour les servants des dragons divins. Nous devrions peut-être demander à Bettina si elle sait quelque chose. Bettina est dans les deux membres. À moi qu'il faut utiliser Bettina. Par les dragons divins. Le sanctuaire sacré de la cascade des dragons divins existe toujours et il semble opérationnel. Cela correspond à tout point aux anciennes légendes, quelle aubaine. Grâce à son pouvoir, nous pourrions créer la croix du temps ici même. Essaie de placer les deux fragments de la lame du dragon, les éclats de haine et d'amour posés sur le support. Voilà. Ça combiné, non? Oui, non. Qu'avez-vous obtenu la croix du temps? Hein? Ils sont partis.
Il y a un boss que je veux voir, mini-boss. Cette cavité mène à une cave, c'est-à-dire que certains de nos hommes sont déjà descendus. La gamme pas existé dans ce monde, on dirait. Melia, qu'est-ce qui est sur la corniche? Nous n'avons encore jamais rencontré un monstre pareil. Que ceux qui perturbent la paix de ces terres soient punis. Il arrive. Mystérieux monstre, Quid me vis, je suis le Cryosphinx, et vous n'êtes pas les bienvenus sur cette terre. Pourquoi venez-vous semer le trouble ici à mon tour? Je vais semer le trouble en vous. Vous parvenir seulement à cette épreuve, vous quitterez peut-être sans grand-vie. Aucun homme n'a foulé cette île depuis une éternité, le Cryosphinx en lui. Si vous avez le courage de mesurer votre intelligence et la mienne, vos crimes pourraient être pardonnés quand vous aurez résolu les six énigmes. Maintenant, répondez à cela. Qui est Quidems, le Hormisset? Quoi? Vous dites de ne pas pouvoir répondre à ma question? Malfacteur, mais alors pourquoi perdre mon temps avec vous? Alors de ma vue, Abidem. Ah, j'ai sauvegardé le chat, heureusement. Wow, ok. On va couper ses magies dessus, sinon on y arrive pas.
Non, je sais pas comment guérir ça. Ok là. J'ai pas mis le bar. On irait là une fois parce que là, je vais faire démolir. Thank you.
Jess est alité. Elle est toujours dans le coma. La croix du temps se met à scintiller. Mademoiselle Jess et maîtresse Luca, pas coincé dans la pièce du fond. Je suis désolé, je n'ai plus assez d'énergie pour vous aider. Rien. Thank you.
Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas pu sortir à temps, alors j'ai dû me cacher ici. Il y a encore des enfants cachés dans les pièces. Vous devez les aider, monsieur. Oui, tout va bien se passer. Monsieur, tenez, c'est pour vous. Ah, la quarantaine en plus.
Gamma Terra, c'est ce qu'il dit. J'ai créé un nouveau code pour une nouvelle génération et remplacer celui de mon père utilisé autrefois. Je vais prendre ça en note. O-T-U-X. Par exemple, en utilisant les enfants, ne comprendront jamais qu'on forme le mot rouge. Cercle, triangle, carré. Route. Mon père, ta bande serait fière de toi et ma mère aussi. Bien sûr. Super vue sur l'espace infini. En cas d'incident, d'étudier le cryo laser ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans, personne n'a le droit. Qui avait pris le cryo laser? Le supermarchandise reçu. Voici ce qu'il dit. Les enfants, je vous interdis de toucher à la capsule spatiale. Si longtemps que j'ai failli. Enfin, tenez, prenez ça en guise de remerciement. La cuisine est juste derrière cette porte à droite, les anciennes chambres de mamie et Lara. Et en haut à gauche, c'est la chambre de Luca, mais ma soeur sera fâchée si vous y allez.
Vu que c'est parti de planche, je peux le retirer. Oh, monsieur, vous êtes drôlement fort, mais que serais-je? Je serais grand, je vais être fort comme vous. Ah oui, tenez, monsieur, c'est pour vous. Il y en a d'autres cachés dans cette pièce. C'est Tata Luca, oh, je veux dire la grande sœur. Kano est cool. Thank you.
Ah ouais, il n'aime pas. Ah ouais, c'était là que t'es la porte, de toute façon. Ah, c'est lui, ça. We'll be right back.
caribou, tiens, Tony. Hein? Ouais, c'est parti pour être décoré. Mon ami Jess sont descendus, mais ils sont pas sortis.
Elle brûle, notre maison brûle. Le cas, tous mes amis y sont. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Toi, tu t'en vas, tu vas me laisser. Je sais pas comment me retrouver tout seul, c'est ça? Tous les gens que j'aimais sont partis très loin. Non, me laisse pas, qu'est-ce que je vais devenir? Ta joue, elle est mouillée. Merci, merci de m'avoir sauvé. Est-ce que je te reverrai un jour? Où il est passé? Non, reviens. Ne me laisse pas, je t'en prie. Ne me laisse pas tout seul. Caribou, comment tu vas? Je suis là. Tu vois, c'est le nouveau genre de truc. Quel soulagement! Ça doit être grâce au pouvoir de l'amour, n'est-ce pas, Caribou? Ah oui, Jess. Lucia t'attend dans son labo, au manoir Phil. Elle a quelque chose à te donner. Mais ça ne presse pas. Je te conseille de reposer ici pour ta journée. Quoi, ma blessure? Lex m'a pas regardé, qu'est-ce que tu racontes? Oh, attends un peu. Ça recommence, je perds ma mémoire des fois. Quand je suis en danger et que je risque d'être blessé, on dirait que je disparais, pouf. Et quand je reviens à moi, je suis en lieu sûr, sans égratignure. Le hic, c'est que je me rappelle jamais ce qui s'est passé, je comprends pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé un tas de fois, donc ce n'est pas grave. Allez, mon vieux, en route. Le sol refroidi, la végétation un peu de nouveau poussé. J'ai pas de graines, je pense pas.
Bienvenue, prenez ceci, servez-vous-en. J'ai soutenu le liseré Forge de Palperie. Et au fait, changez de nom. Qu'est-ce que c'est? Un moyen de transport? Les soldats Papyri ont quitté le manoir Ophid. Qu'allez-vous faire maintenant? C'est une des tours, elle avait dit. Moi que c'est la tour ouest.
Je fais pas ça pour dîner, là. Puis Jérémy, on va en manger, puis tu as mangé ça aussi. Il y a pas mal de restants une autre fois. Je t'attendrai, Jess. Je voulais te dire quelque chose. Ah, moi? On m'a dit de te donner ça quand ça serait revenu. C'est pour toi. Tu as connu ma grande sœur. Ma chère Jess, comment vas-tu? Je me demande quel âge as-tu au moment où tu lis cette lettre. Peut-être es-tu devenue une belle jeune femme mariée, heureuse, avec de beaux enfants. J'espère pouvoir te parler en personne quand tu seras assez âgée, mais au cas où tu arriverais quelque chose, j'ai décidé de coucher mes sentiments par écrit et de confier cette lettre à Lucia. Peut-être que le sais-tu déjà, ou peut-être te trouves-tu toi aussi impliqué dans une sorte de crise historique résultant de tout ceci, mais qu'importe. Il y a bien longtemps que mes amis et moi avons modifié l'avenir afin de sauver notre monde sur le point d'être dévoré par Davos, un monde venu d'une planète inconnue. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait pour protéger notre monde et d'avoir pu influencer si facilement le cours du temps. Je m'inquiète, parfois, des aspects moins glorieux de nos actions. Qu'est-il devenu du futur qui était censé avoir exigé un jour, ou un instant, qui ne peut désormais plus exister, est-il passé? C'est vrai qu'en changeant le cours de l'histoire, nous avons sauvé de nombreuses vies et évité de grandes souffrances. Et il y a bien à y penser, nous avons aussi causé la mort de tant de personnes qui auraient dû exister dans la branche temporelle que nous avons détruite. Cela, à son tour, engendré souffrance et tristesse dans le nouvel avenir que nous avons créé. Ainsi, j'ai peur que quelqu'un veuille se venger de ce que nous avons fait, que quelques issues de ce nouveau futur ne reviennent pas dans le passé comme nous avons fait et n'essayent de nous tuer ou de nous capturer, mes amis et moi. Si un malheur venait à se produire, Jess, sache que je devrais arriver et arrivera, et je sais toujours été préparé au pire. Oh, mais je crois que la grande Nuka se laissera faire sans brancher. J'ai une réputation à défendre. Ce qui nous attend au détour du chemin, intérêt à être prêt, parce que la riposte sera terrible. Jess, quand je pense à toi, je reviens. J'ai le souvenir de quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, dans le loin passé. Quand elle était exact opposé de toi dans cette branche temporelle, il était douce et sincère. Un jour, je te parlerai aussi d'elle, quand tu serais prête à connaître ton véritable nom et ton passé. Je ne m'inquiète pas pour toi, Jess. Je sais que toi, quoi qu'il advienne, il sera toujours là pour toi. Peut-être même a-t-il déjà trouvé et se trouve à tes côtés au moment où tu le lis dans ce cas. Salut-le. Salut à toi, Janice. Prends bien soin de Matt. J'ai tant de choses à te dire, mais je ne le ferai en autre temps. Je t'en fais pas. Tout va bien. Nous surmontons tous les obstacles qui se présenteront, c'est une certitude. Plus tard, quand tu verras tu deviendras adulte, je viendrai te rendre visite et nous en discuterons autour d'une tasse de thé. J'ai hâte que tout ça arrive. Quoi qu'il en soit, Jess, à très bientôt. Ton ami à jamais, quelle que soit la branche temporelle, Luca Grissalam. Arrête de jouer les garçons manqués, crois-moi, un jour tu deviendras une belle femme. Ou je m'appelle pas la grande Lucas. Désolé, mais j'aimerais rester un peu seul. J'arrive pas à croire, Luca. C'est toujours toi qui rigolais en disant que rien n'était grave dans le marbre ni sur le terrain dans ce monde. Luca, vous avez tenu un arc-en-ciel.
Il y a sûrement un personnage qui peut passer. Non, on décide de partir d'ici. Nous retournons sur le continent sans tarder. Et puis... Talisman démoniaque. La nôtre là. Oui, allô? Oui, allô? Respectez-moi derrière. Lucas et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous étions
Gottfried et Nen, tous les deux des scientifiques en herbe. Dans ce tragique incident, je suis sûr que Luca m'aurait surpassé. C'est lui, je suis là. Le laboratoire apaise. Je prends un personnage pour l'ouvrir. Je vais changer de personnage pour voir. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!